Koh-Lanta, insulté sur les réseaux sociaux, Pascal s'indigne. Pascal est en colère, le candidat de Koh-Lanta fustige les insultes des internautes et le manque d'humour de certains joueurs. La situation a atteint un tel point qu'il a voulu RRE accent circonflexe de parler de l'émission sur les réseaux sociaux. Ancien candidat de la 15e saison de Koh-Lanta, Pascal est de retour dans le combat des héros. Et qu'on se le dise, il a l'intention de se faire remarquer. Ces dernières semaines, il a fait parler de lui en s'attaquant frontalement à Cyril Hanouna et en inventant une rumeur. L'aventurier de TF1 a annoncé à ses nombreux followers que ses camarades Candice et Jérémy allaient se fiancer et qu'ils attendaient un enfant, ce qui est totalement faux. En plus de ses tentatives de faire le buzz, Pascal publie chaque semaine sur Instagram son résumé tout personnel des épisodes de Koh-Lanta. Et comme il n'a aucun filtre, forcément, cela a agacé des internautes qui ont visiblement été nombreux à s'en prendre à lui. Pascal en a assez des insultes des internautes. Pascal s'est déjà illustré par la violence de ses propos sur les réseaux sociaux. La semaine dernière, il a par exemple été très dur avec une ancienne candidate de Koh-Lanta, qui avait osé le critiquer. « Il est rigolo de se voir juger par une fille comme toi, avec un parcours aussi médiocre que le tien. Tu es plus forte au week-end des copains en position horizontale », lui avait-il lancé. Mais lorsque c'est lui qui est visé, ce n'est pas la même limonade. Cette semaine, Pascal a publié un message sur Instagram, intitulé « Fini les débriefings ». Il y a expliqué que les nombreux insultes envers les candidats l'ont poussé à RRE accent circonflexe de parler de l'émission « Vous n'aurez plus rien de moi sur Koh-Lanta », a-t-il assuré. Comme Javier, qui a quitté les réseaux sociaux cette semaine en raison des attaques des internautes, Pascal avait l'intention de ne plus se laisser atteindre par les insultes. Mais ce n'est pas la seule raison. Le candidat a également évoqué le manque d'humour de certains joueurs. Difficile de ne pas y voir une référence à Candice, les tensions sont actuellement très grandes entre eux. La jeune femme s'est récemment mise en colère contre Pascal, qui avait lancé des rumeurs de grossesse à son sujet, juste pour s'amuser. L'aventurière avait réglé ses comptes avec lui et expliqué que ses imbécilités avaient touché sa famille. Si Pascal n'a toujours pas répondu à ses remontrances, il continue de titiller Candice. Après son petit coup de gueule, le candidat a finalement recommencé à écrire des résumés de Koh-Lanta sur Instagram. Dans le dernier en date, il n'est pas tendre avec Candice, qu'il accuse d'avoir volé de la nourriture sur le camp. Ce jeudi, il a même publié au court texte éloquent « Quelqu'un peut me dire où on trouve les claques qui se perdent ? C'est pour une amie ».